Nous voilà arrivés à Valence. L'hôtel est super. Franchement, on tombe trop bien. Le point fort de cet hôtel, c'est qu'on a accès à piscine et salle de sport. Allez, nous, on va profiter un peu de la piscine. Et je vous dis à plus tard. Ciao. Salut tout le monde, on s'est réveillé bien tard ce matin, on a fait une grosse grasse matinée à Valence, donc première journée complète à Valence. Un peu courbaturé, on a fait une séance de sport hier soir comme vous avez pu le voir. Cette journée va être très très courte, qu'on perd pas plus de temps, on va vite aller déjeuner et on part en ville à Valence, profiter de la ville. Allez go, c'est parti. On démarre l'après-midi dans Valence avec une petite pause au bar à ongles. Charlotte s'est arrêtée pour faire une manucure. Donc là elle est dans le bar à ongles, je l'attends. Et en suivant on enchaîne avec quelque chose que je fais dans mes voyages maintenant depuis l'année dernière. Vous allez vite voir ce que c'est. Allez, c'est parti. Charlotte a fini sa manucure, je vous laisse regarder comment c'est beau. Elle est toute belle pour faire des nouvelles photos sur Valence, ça y est, plus d'excuses. Hein. Continuer le délire avec mes potes. Je me suis fait tatouer hashtag pronto, je sais pas si vous le voyez. Je fais mon tatouage et là on va se balader, on va aller faire des photos et vidéos partout. Allez go, c'est parti. Voilà à la plage de Malvarosa. Malvarosa en espagnol. On s'est changé, on avait trop chaud, on a fait un petit break après notre balade en ville. La circulation est vraiment horrible dans Valence en voiture. Je vous déconseille de prendre de vous déplacer en voiture. La route elle est séparée en 5 voire 6 voies des fois, les ronds-points sont en 6 voies. Il y a des feux rouges dans tous les ronds-points, enfin bref, même à Paris c'est beaucoup plus facile de conduire. On marche le long de la plage, c'est très joli, il y a des palmiers, il y a beaucoup de monde. Le coucher de soleil arrive, allez go!
quitté la plage de Malvarosa. On pensait enchaîner la plage et le port de Valence qui sont pas très très loin. Et en fait finalement on s'est rendu compte que le port il est pas terrible, c'est surtout un port pour décharger les marchandises, etc. C'est pas top top du tout. Et en recherchant un peu sur Google, je me suis aperçu qu'il y avait un port pas très loin qui avait l'air joli en photo. Ça s'appelle le port de Saplaya, donc on a vite pris la voiture, mais le temps d'arriver, il était pas très loin, il y avait 7-8 km, mais le temps d'arriver, le soleil se couchait déjà et ça commençait à être sombre. On a pris la décision de rentrer et on s'est dit qu'on se lèverait plutôt demain matin et qu'on irait profiter de ce port. Il y aura moins de monde le matin, tôt le matin, et ce sera plus facile pour se garer. Du coup on rentre et je vous donne rendez-vous demain pour commencer la journée avec le port de Saplaya. Vous allez voir, c'est vraiment magnifique. Allez, bonne soirée tout le monde, ciao. Salut tout le monde, dernier jour entier en Espagne pour nous parce que demain on reprend définitivement la route pour rentrer à Lourdes. Là on se dirige, comme je vous l'ai dit, au port de Saplaya. Donc on est à quelques centaines de mètres du port, on va chercher à se garer. Vous allez voir, ça vaut le coup. Allez, c'est parti. Les gars, on a réussi à se garer. On a réussi à trouver un parking qui permet de ruiner ta voiture en 10 minutes. Donc dès qu'une voiture passe, en fait ça fait un gros nuage de poussière. Et du coup, lui, je pense qu'il s'est garé là depuis un quart d'heure. Voilà. Allez, nous, on va se balader. C'est parti. Balade terminée, j'espère que vous avez kiffé autant que nous le port de Saplaya. C'est vraiment très très beau. On y est allé en fin de matinée et il y avait quasiment personne. Donc vraiment très très bien. Seul petit bémol, c'est pour se garer, arriver à trouver une place, c'est un peu compliqué. Et on a fait des très belles photos, on est très contents. On prend la route, go! Yeah.
On vient d'arriver à Barcelone, on est dans les rues, on vient de se garer dans un parking souterrain. On est un peu embêté, on a un faux plan pour l'instant de la part de notre Airbnb. J'ai essayé d'appeler, le numéro n'est pas attribué. On se dirige à pied vers l'appartement, on va essayer de voir s'il y a quelqu'un quand même parce que là, on commence à être un peu embêté ouais, par la situation. On va sur place et puis on va voir si la personne nous attend au bon endroit, sinon je sais pas comment on va faire. Sympa, merci Airbnb. Il est quand même 20h30 et toujours pas de nouvelles du Airbnb. On n'est pas optimiste du tout. C'est vraiment très très bizarre cette histoire. Entre le fait qu'on ait eu aucune réponse à nos 4-5 messages depuis la réservation, il y a quand même 2 semaines, plus le fait que le numéro ne soit pas attribué quand on appelle et qu'on n'ait pas de nouvelles à 20h30 alors que la réservation est pour aujourd'hui. J'espère qu'on n'aura pas essayé de trouver un hôtel à 21h dans Barcelone. On verra. Il n'y a personne, pas de nouvelles, impossible de sonner. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir, le bâtiment, c'est du 242 au 236. Et nous, on est au 236. Et sur les sonnettes, il n'y a rien de figuré comme quoi on peut sonner au 236. Donc, c'est bien fait avoir par la personne de Airbnb. J'ai essayé d'appeler Airbnb. Je suis resté 5 minutes au téléphone. Ils m'ont dit qu'il y avait du monde en liste d'attente. Donc j'ai patienté. Au bout d'un moment, ça a raccroché tout seul. J'essaie de rappeler. Je donne les dates de réservation. On me dit que j'ai pas de réservation à cette date. Voilà, du coup, on est sur le banc. On est un peu perdu. On essaie de trouver un hôtel. Charlotte a trouvé un hôtel correct. Au même prix que l'appartement. Du coup, ben, on va payer le même prix. On va avancer les frais. Et puis, on va faire le nécessaire pour se faire rembourser. On laissera un avis sur le Airbnb de la femme. Un avis qu'elle mérite de recevoir. Parce que ben, il est 21h quasiment et on est dans la merde. On est dans la merde dans Barcelone. C'est beau comment les gens ils arrivent à être humains des fois. Bon, c'est pas grave, c'est quand même les vacances. On va pas se gâcher le dernier jour. On prend l'hôtel, il y a un hôtel qui a l'air sympa. Allez, c'est parti. Bon, quelle aventure de ouf. Ça y est, on est installé dans la résidence universitaire. On a réussi à trouver, en fait, c'était pas un hôtel, c'était une résidence universitaire. Et c'est hyper stylé, c'est un mal pour un bien, cette histoire de Airbnb, parce qu'au final, on a un truc vraiment super stylé. Tout est nickel, le bâtiment est nickel. Il y a une piscine au 4e étage de la terrasse, je crois, avec une vue sur tout Barcelone, parce qu'on est un peu en hauteur. On a un petit déj compris, alors que de base, on n'avait pas ça. J'ai pas eu le temps d'en parler avec toutes ces histoires. À midi, on s'est arrêté à la Pineda, comme vous avez pu le voir. On a mangé à un restaurant, le restaurant de nos amis. Donc c'est le restaurant Casa Nostra. On a très bien mangé. Paella pour deux, une paella mixte, donc avec viande et poisson. C'était super bon. Bon, je vous recommande d'y aller parce que c'est très bon et en plus ils sont super gentils. Allez, on file, on va manger. Pouah, ça y est, quelle aventure. C'est terminé, on a mangé, on est installé, on s'apprête à aller se doucher. D'ailleurs, Charlotte se douche actuellement. Ah, journée très très chargée, très mouvementée surtout, mais journée terminée. Là, maintenant, il me reste plus qu'à dérocher toutes mes cartes SD qui n'ont pas été dérochées. Je vais mettre toutes les photos et vidéos prises sur disque dur, comme tous les soirs, pour être sûr de ne rien perdre, on sait jamais. Et je vous dis à demain pour la suite. Ciao. Et voilà, nous voilà en route pour la Sagrada Familia. Donc on s'est garé juste en bas d'un parking souterrain. Là, on l'aperçoit, elle est un peu en travaux. Mais on va voir un peu de plus près à quoi ça ressemble. Allez, c'est parti. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de monde. Mais il fait beau, donc c'est agréable. Belle, belle. Au pied de la Sagrada Familia, il n'y a personne.
c'est trop agréable. Il y a pas une personne. Il y a que nous. C'est trop bien les sites touristiques comme ça où il y a vraiment personne, j'ai personne. On est les seuls. J'ai pas vu une personne depuis au moins une heure et demie. Il y a que nous. C'est trop agréable. Ah, c'est vraiment désert. Il n'y a pas un chat. Ah, il y a des petites poses photos. Il n'y a pas un chat. Attendez, je vous montre parce que là, faut vous voyez qu'il n'y a vraiment personne. Voilà, on a fait la Sagrada Familia. Perso, nous c'est pareil, c'est comme à Grenade. On n'est pas fan des sites touristiques comme ça où il y a 3000 personnes. Voilà, on y allait passer à faire quand même, faut le voir. Mais voilà, je pense que on va pas s'attarder ici. Je suis sûr que même à 6h du matin, il y aura pas mal de monde. C'est sympa. C'est pas ce qu'on préfère du séjour, du road trip. C'est grand, c'est impressionnant, c'est joli, mais il y a tellement de monde, c'est limite étouffant quoi. Vous nous excuserez, on visitera pas l'intérieur. Adios Barcelona, adios guapa. Ça c'est que Charlotte ne connaît pas Burger King et du coup hop, on a trouvé un et c'est l'occasion pour elle de tester parce qu'on a drôlement faim. Encore une fois, manger équilibré, on a fait que ça. Blackjack paper, jus de viande, voilà. Ok, regarde. Alors, première impression? Oh, c'est bon, c'est bon, ouais.
Oh, on l'a fait. 6 heures de route. Barcelone à Lourdes. On a parcouru 40h04 dans tout le road trip et on a fait 3044 bornes tout rond. Voilà, sacré voyage. Plus de 3000 km, plus de 40 heures, 11 jours, 12 jours, 11 nuits. C'est sympa, non? Je crois que ça sent l'affaire. Hein. Allez, bonne soirée tout le monde. Looking so fine, baby, for tonight, I want you to be mine. We're going for a ride, oh, we're going for a ride. So won't you come on out with me, forever young and free. So won't you come on out with me, there's no place I'd rather be. Together we'll escape deep into the night, just do whatever that feels alright. So won't you come on out with me, so won't you come on out with me. Oh, de faire des selfies quand je On va aller boire une bière. Une petite bière. On va aller boire une petite bière dans le parc là-bas. On est perdu. Valentina. Regardez, regarde. Putain, pas une place. On va devoir payer 800 euros le parking encore là. Putain, ils font chier les gens. Attends. Les vacances. Mais tu filmes là depuis tout à l'heure. Ça trame un peu parce qu'on est dans un terrain un peu vague pour se garer. Et Charlotte conduit comme mon cul. Pardon, alors. C'est pas grave, c'est pas grave. Elle s'est excusée, c'est bien quand même, elle s'est excusée. Elle a dit pardon, c'est bien. Ce sera censuré. Let me show you the best of my world.